Cette blessure fait partie maintenant de votre vécu de footballeur. Un autre événement est intervenu dans votre, vie. Vous êtes devenu papa. Est-ce que ça fait aussi partie des étapes qui structurent davantage, qui responsabilisent plus et qui ont des incidences sur la vie professionnelle du footballeur ? Déjà, j'ai eu mon fils durant la rééducation. Donc déjà, ça m'a aidé psychologiquement à surmonter cette épreuve. Donc du coup, j'ai pu un peu mettre de côté ma blessure et me concentrer sur mon fils et ma femme. Du coup, oui, c'est des belles étapes de la vie. Et ça vous amène à voir les choses un petit peu différemment maintenant ? Enfin, cette naissance, oui, ce c'est contexte sûr que, familial. Voilà, il y a plus de responsabilités à avoir. Voilà, il faut s'occuper de son enfant. Et... voilà, voilà, la vie d'un père quoi, est différente, c'est sûr. Et donc, du coup, on n'est plus seulement joueur de foot, quoi. Voilà, on n'est plus joueur de foot, on est aussi papa à la maison. Donc... c'est vrai que d'avoir deux choses différentes, c'est bien aussi. Quand la journée se termine, Max, vous dites quoi ? Une de plus ? Vivement ce soir que je me couche ou vivement demain que je retourne au boulot, que j'aille jouer ? Est-ce qu'on se dit encore je vais jouer ? Ouais, toujours. En plus, j'ai été blessé, donc j'ai été écarté des terrains pendant 6 mois. Donc je peux vous dire que le foot, ça m'a manqué. Et voilà, j'ai toujours voulu être joueur professionnel. Donc l'amour du foot, personne ne me l'enlèvera. Ouais. Et quand je dis jeu, c'est l'esprit ludique que je veux mettre en avant. Oui. Moi, je vais pour... c'est sûr, on va pour le travail. Maintenant, il faut essayer de rallier le travail avec le bonheur. Donc, voilà, moi, j'essaie de faire ça. Et cet esprit du jeu est toujours présent dans le football aujourd'hui. Parmi vos partenaires, on est encore dans l'idée de... un peu comme à la récré, quoi. Ou alors, c'est devenu justement... pas à la récré non plus. Pas abuser, voilà. Je parle de plaisir, je parle pas de bazar. Non, mais c'est bah ici, il faut du plaisir pour un footballeur. Vous demandez à Zinedine Zidane, quand il mettait des gestes, et bien sûr qu'il avait plaisir à les mettre. C'est voilà la beauté de ce sport fait que voilà, on est très content de faire ce métier et voilà. Et d'y prendre plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Maxime Barthélemy.